la base, Kieffer était une boucherie-charcuterie créée par Justin Kieffer en 1936, rue d'Austerlitz à Strasbourg. Dans les années 75, Jean-Jacques Kieffer, le fils de Justin, décide de s'orienter vers l'organisation de réception et construit un laboratoire à Schiltigheim. L'entreprise se développe et devient le leader local. En 1998, Christian Kieffer, le fils de Jean-Jacques, vend Kieffer à un groupe international, Potel et Chabot, numéro 1 en Europe des traiteurs haut de gamme. En octobre 2008, Jean-Jacques Mar acquiert Kieffer au moment de sa mise en vente. Kieffer est alors numéro 2 sur le marché, précédé par Effervescence. Très rapidement, Kieffer retrouve le chemin de la croissance grâce à des événements importants tels que le sommet de l'OTAN, sur lequel intervient également Effervescence, pour arriver en 2013 à un chiffre d'affaires de 5,3 millions d'euros. La même année, Jean-Jacques Mar décide de s'associer avec Jean-Luc Yeager pour créer le groupe Éventail. C'est une belle histoire, c'est une histoire qui est essentiellement une histoire d'hommes, puisque tout ça, ça n'aurait pas été possible sans les équipes. Le groupe Éventail, c'est avant tout 55 salariés dévoués à leur entreprise, avec un savoir-faire exceptionnel, qui tous les jours, je dirais, se démènent pour fournir nos clients avec le niveau de qualité, avec le niveau gustatif, avec le niveau visuel souhaité pour nos clients. L'équipe commerciale du groupe Éventail a su s'entourer de partenaires dans le domaine de l'événementiel, afin de proposer au client final une formule clé en main comprenant non seulement la partie gastronomique, mais également toute l'animation autour de la réception. Moi, avant tout, ma volonté, c'est d'avoir une entreprise, je dirais, où les gens se sentent bien, où les gens ont envie de venir tous les matins, où les gens vivent dans une famille, hein, dans les meilleures conditions de travail possibles. Un nouveau challenge s'impose rapidement, construire un laboratoire capable d'accompagner la croissance des différentes marques de ce nouveau groupe. Une opportunité se présente sur des locaux à vendre à Vendenheim, dont l'importante réserve foncière permettrait d'y implanter le nouveau laboratoire des deux marques de 1250 m². La construction débute en septembre 2015. Le groupe investit 4 millions d'euros dans le bâtiment et les équipements de production de dernière génération. Le pourquoi de ce laboratoire, c'était regrouper les moyens, regrouper les hommes, développer des synergies, avoir des équipements au goût du jour pour pouvoir continuer à répondre à nos clients avec le niveau de qualité souhaité et avec toute la sécurité alimentaire que nos clients sont en droit d'espérer. Avec la force de deux traiteurs, l'objectif du groupe Éventail est d'être présent sur tous les segments du marché, en proposant aux clients toutes les gammes de prestations, de la livraison au dîner haut de gamme, en passant par les déjeuners de travail et les cocktails. Le particulier représente entre 15 et 20% du chiffre d'affaires du groupe, qui est très présent sur le marché du mariage. Quant aux salles de réception, Kieffer opère dans des lieux exclusifs tels que le château de Pourtalès et le château d'Ostofen et partage l'espace Le Calédo avec Effervescence.
Nous avons également décidé de développer une nouvelle marque qui s'appelle Instant Gourmand, qui est une marque purement de livraison. Aujourd'hui, on se rend compte qu'avec les nouvelles technologies, notamment avec l'Internet, les modes de consommation ont changé. On veut, mais on veut tout de suite. Aujourd'hui, l'activité traiteur ne s'adapte pas à cela. Et là, il nous faut absolument répondre à cette demande. L'Instant Gourmand va être une marque qu'on va acheter sur Internet, qui va proposer un certain nombre de produits que les gens pourront commander et pourront avoir instantanément. C'est vraiment l'avenir de l'activité traiteur. Bâtiment à l'architecture contemporaine et élégante, l'espace Le Calédo n'a rien laissé au hasard pour le bien-être de sa clientèle. Trois salons modulaires d'une capacité allant de 30 à 580 personnes, terrasse avec piscine, parc à l'orée d'une forêt et parking de 90 places. Ce lieu de réception s'adapte à tous les besoins, que ce soit pour des séminaires, des soirées de gala ou encore des mariages. Mon ambition est d'accompagner Strasbourg dans sa volonté de développement du tourisme d'affaires. Je me propose ou je me présente comme une solution pour Strasbourg pour pouvoir accueillir dans les meilleures conditions les grands congrès que Strasbourg a vocation d'accueillir dans les années à venir.